passe sans mauvaise surprise. Ces objets t'aideront pour cette quête. Pense à les utiliser. Ouais. Ton micro est coupé, Ange. Ah ouais, je suis à la manette, c'est pour ça que je pensais pas te voir. Attends. Ouais, je suis là, ouais. Plus chaud que jamais, ouais. Et là, on t'est excité, toi, ce soir. Oh yeah. Yeah. Comment ça, elle est abonnée, alors? Tu m'entends? Tu joues tout seul? Ouais, parce qu'en fait, tu sais quoi, le jeu me gaffe parce que hier avec toi, on n'a pas réussi à jouer ensemble quasiment parce qu'il y avait tout le temps des coupures réseau et tout. Et maintenant, je sais comment marche exactement le système, tu sais, pour se réunir et tout. Et cet après-midi, j'ai dit à Jack, bon bah, c'est bon, maintenant je sais comment ça marche. Et voilà. Et puis, ben, en fait, non. Ah, bah, nickel, je suis sur mode. À peine je viens d'arriver. Et donc, avec le direct, ça prend. Alors, ça prend, j'ai joué dans le bloc, tu vois. Ouais, attends, je t'entends tout bas là. J'entends plus le son du jeu que toi. Ah, attends, je vais. Juste après, j'ai pris la version du bloc. On parle de la PS5. En fait, c'est vraiment. Et en fait, sur Xbox, c'est pareil, quoi. Une fois que j'ai mis le jeu, il y avait un erreur réseau, on commençait une quête et on y avait un petit peu de l'été. Donc c'est très chiant. Et en fait, ce qui marche bien dans le jeu, parce que là, je commence à mettre par exemple, c'est toujours. Et là, après tu vas là, tu fais la queue. Tu vois, là, j'ai rejoint la queue de quelqu'un. Ils sont à 3 ouais, ça marche. Ils sont à 3 sur un balara. Et là, il n'y a pas de problème, tu vois. Non, ah, c'est ça. Mais dans le même temps, moi... pas de problème. Moi, ce matin, j'ai fait pareil. J'ai fait un balara aussi. Et après, j'ai enchaîné. J'ai fait 5 ou 6 rideaux. Et nickel, même, pas de problème. Ah ouais. Non. Tout seul ou avec des mecs? Ah non, en fusée. Enfin, ah ouais. Mec de lobby. Ah, okay, et le dernier, le sixième, on était dans son lit. Le ah rideau, ouais. Il fait son ulti. Il ouais. A tué. Oh, il a tué deux gars d'un coup. Allez, hop, quête s'échouer. Dans le nid où il y a tous les trucs bleus au sol. Là, ouais. Il a fait son ulti. Ça a dézingué deux gars. Ça one shot deux gars d'un coup. Allez, hop, quête échouée. Oh, j'y j'arrête. C'est bon, on avait fait 5 déjà derrière. Ouais, avant, après, j'y c'est bon. Faut pas sortir du réseau. Sur la map, il y a plein de choses. Tu sais qu'il y a des secrets à découvrir, hein. Il y a des villageois qui donnent des quêtes secrètes aussi, hein. Il y a ah pas ouais. De secrets, hein. Ouais, je savais même pas, moi, et c'est dans un des petits camps, là. Il y a 3 camps en total, je crois, dans la map des villageois. Et il y en a un, quand il va pendant la période calme ou la période de tempête, tu peux avoir des quêtes différentes. Mais ouais, parce que moi je comptais là je comptais faire un peu d'explo, tu vois, un peu loot du compo.
Parce que ça, les compos qu'on loot, ça, on le gardera dans le jeu final. Je pense pas, honnêtement, parce que je crois pas du tout. Parce qu'en fait, ils ont dit en tout cas qu'on garderait ce genre. C'est le personnage qu'on a créé. Donc, on joue après notre personnage, pas du tout. Ah ouais, donc en fait, les compos qu'on loot et tout des monstres, ils sont pas gardés, quoi. Apparemment, non. Oh, les boules. Peut-être, après, j'en sais rien, mais pour l'instant, ils ont seulement le personnage qui fait le jeu. Et puis par contre, le fait de jouer à la bêta te donne un peu en plus. Ça te donne accès, ça te débloque une petite peluche que tu pourras mettre. Franchement, pour les compos, ça serait débile qu'on puisse pas les garder. Hein. Ouais, mais genre les trucs de rideau et tout, moi j'ai 3-4 plaques, des gemmes, j'en ai 5 ou 6, ça me ferait chier de tout perdre quoi. C'est juste quand on prend son test de groupe, ouais, j'ai dit tout à l'heure. Mais bon, après c'est pas. Bah, c'est ça qui est con, putain, là. Si on s'en était sûr qu'on gardait les loot et tout ce qu'on ramasse et tout, si on était sûr, moi, tu vois, là, j'irais farmer, tu vois, pour avoir des compos à mort, mais ouais, si on doit pas les garder, c'est du perte de temps. C'est pas une perte, moi, je sais pas, après, c'est marrant parce que de nous tous, je dois être celui-là qui a le moins joué au jeu encore. Parce que j'y ai joué que avec toi. Et cet après-midi avec Jack, j'ai jamais joué comme ça vraiment tout seul. Et donc j'ai pas passé du tout tant de temps que ça. Donc là je commençais ce soir justement, je me suis dit allez, je vais vraiment m'y mettre 2-3 jours là, avant de pouvoir revoir le jeu. Voilà quoi. Et par contre les contrôles, il y a plein d'options aussi qui sont vachement bien à changer quoi. Parce que, T'as remarqué que pour accéder aux objets là, obligé de faire c'est quoi déjà LB ou je sais pas quoi là, tu sais, tu es obligé d'appuyer sur carré ou rond, tu sais, comme dans les anciens Monster Hunter. Ah oui. Il y a une option pour mettre que la croix aussi, hein, je sais pas si t'es au courant. Comme avant quoi, comme dans World Rise ou Moi je laissais les deux, je mettais la croix et le petit truc qui défilait comme ça. J'ai jamais vraiment touché à ça, ça m'a jamais vraiment dérangé. Il y a aussi un autre truc qui est bien fait, mais le secret, si j'aime pas trop, si je balade tout seul, mais je monte dessus. Il y a une option où tu dirais que tu diriges ton personnage. Ça t'empêche pas ça t'empêche pas d'utiliser le facilité quand tu fais la flèche de gauche, quand tu diriges tout seul vers le monde, tu vois. Parce que moi, t'es obligé d'utiliser R1 et tout. Pour qu'il accélère à R2 pour qu'il s'arrête complètement. Ah ok, attends, ouais, d'accord. Ok, j'ai compris. Donc là, ça va être là. Putain, ça va être long, on va attendre jusqu'en février, fin février là. Bah, c'est pour ça qu'on devrait. Moi je pense que. Enfin, ah, voilà. Ah, oh, ok, d'accord. Ah, ouais. Bon travail. Ah, il y a des émotes en français? Ah ouais, putain, je suis pas habitué, faut que j'appuie sur le stick pour... Ouais, j'ai choisi un lobby où il y a que des français, donc c'est pratique. Ah ouais. Mais par contre, tu vois, il n'y a pas le chat vocal de groupe, comme il disait... Après, Jack m'a dit, lui, qu'il avait déjà vu dans World, le chat, tu sais, le chat automatique avec tous les membres de la session. Mais je lui disais, mais comment ils vont faire ici dans les lobbies où il y a 100 personnes? Il m'a dit, je sais pas, mais... Dans World, ça lui arrivait d'entendre les voix des autres joueurs dans le lobby. Ouais, bah oui, bah ouais, ouais. Ah ouais? Moi aussi, ouais. Ouais, ouais. Sans être dans le gros vocal, sérieux. Sans être. Après, non, en étant dans le lobby, micro ouvert et tout, ouais. Mais
j'ai jamais vu ça de ma vie, moi je sais pas ce que j'ai vu. Mais moi j'ai déjà entendu des gars parler sans avoir de casque et tout. Hein. Ouais, ou alors qu'ils étaient pas dans dans leur groupe vocal. Ah non, mais juste dans le lobby, tu vois, genre quand t'es par exemple t'es dans la grande salle et tout, ouais. Des fois moi ça m'est déjà arrivé d'entendre des gars causer. Mmh. Ah, tu vois, je savais pas moi, je savais pas que c'était possible ça. Ça doit être une option que j'avais virée dans World et que voilà, je pensais pas que ça existait. Ah, il y a un truc que j'ai découvert aussi, c'est plus en regardant des vidéos quand je vends, mais au fond du village, il y a un endroit où on peut pas aller apparemment. Attends, je crois que c'est là. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est un endroit qui mène à une salle d'entraînement, à un truc d'entraînement plus compliqué que. Bah, plus exhaustif que. Qu'est-ce qu'on a là, parce que là le truc d'entraînement qu'on a c'est un pauvre tonneau près d'une tête au tout début là, le pauvre tonneau marqué en jaune. Et là ce serait une salle un peu comme dans Rise, tu vois, avec un robot et tout, tu peux programmer et tout. Et par contre j'ai vu un type sérieux, et c'est dingue les armes, comment tout a été amélioré. Tout à l'heure je suis tombé. Putain, j'entends pas trop bien, j'entends vraiment tout vraiment très très bas. Ah non, mais faut me le dire. Ah, mais là, ah bah là ça doit être mieux. Ah ouais, ah, beaucoup mieux ouais. Bah tu sais pourquoi? Parce que le micro, comme j'ai mis le casque vite fait, j'ai oublié de descendre la tige du micro et en plus elle était dans mon, elle était dans vers l'arrière, tu vois, elle était ouais. Rangée puis vers l'arrière. Elle était dans ton cul. Ok. Bon. donc qu'est-ce que je disais? Zut, je m'en rappelle plus maintenant. Tu me perturbes. Zut, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, c'est bon. J'ai vu un cum tout à l'heure qui jouait. Il jouait double dague, justement. Et le mec, il faisait des trucs que j'ai jamais vu, quoi. Mmh. Je sais même pas comment il fait, quoi. Et le mec, il teste un peu toutes les armes. Et il disait que vraiment, toutes les armes, il y a de quoi faire, quoi. Ah bah ça oui. Moi le katana là j'ai bien, je maîtrise bien le katana maintenant, je suis content, je fais des beaux petits combos, j'arrive bien à placer mes combos. Bah c'est cool. Mais moi j'essaie. Ah ouais, je suis content. J'essaie un peu tout moi. En ce moment c'est. Et Jack il a joué à quoi lui? Attends, Jack, je sais même plus parce que du coup on n'a pas vraiment joué ensemble vu que ça faisait que de déconner et tout. Non, parce que les gars. La Volto, et en fait, il a pas eu le temps de choisir une deuxième arme parce que ça faisait que de déconner et tout. Ah, parce que les gars, ils disent pas qu'ils jouent, hein. Jack, même Kips, on sait même pas s'il a. Non, Kips, il a apparemment, d'après ce que m'a dit Jack, Kips, il a totalement arrêté le jeu vidéo. Hein. Il joue plus. Ah ouais. Le mec qui était un no-life, qui jouait tout le temps sur. Sur WoW et tout, il m'a dit mais c'est bien, il prend sa vie en main, je pense, Kips. Il a capté que voilà, il fallait un peu ce qui se bouge, je pense, et donc c'est très bien. Parce que moi je sais qu'il m'avait dit qu'il avait des voilà, il était un peu corpulent, il avait un peu des ouais, donc il fait du sport, c'est bien. Non, mais ouais, c'est très bien, il se bouge et tout, donc c'est, ça, ouais, c'est très bien. Après, t'es pas obligé non plus d'être aussi drastique, quoi. Réduire, non, moi j'ai oui, réduit, oui. Mais bon, de là à complètement arrêter quand même, bon, c'est un peu. Non, après, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Moi, non, je pense que ça lui est passé, c'est tout, tu vois. Moi, c'est comme moi, hein, regarde, à part Monster Hunter, je joue plus à rien, hein. Honnêtement, ça fait des années. Moi vraiment. Aussi, en vrai de vrai, donc, ça m'est passé, tu vois. Moi, j'avais. Avant de, tu vois, de m'étaler un peu sur d'autres jeux, moi j'étais que Call of, ça m'est passé aussi, mais j'ai pas pour autant, tu vois, j'ai tout arrêté. Ouais. J'ai juste changé de mode de jeu, genre les story mode, les Monster Hunter, tu vois, les trucs comme ça, les Assassin's Creed. Ah ouais. Bah après, je pense qu'il y a des périodes. Ouais, pas. Voilà, ou après chacun sa vie, hein. Après, s'il a totalement. Mais là, il a tout revendu alors? Sa console et tout, il a tout gardé? Non, il a tout gardé quand même. Ah, il a pas tout revendu. Je sais pas, je sais que Bastos a plus tout. Et il a tout revendu, Bastos. Il s'est fait. Ah ouais, lui aussi, il joue plus. Ah non, si, mais lui il s'est fait un PC, tu vois. Ah oui.
Ça, il y en a plein qui le font, ça, tu vois. J'ai même un pote, il l'a fait. Il a revendu les co. Il a fait des consoles assez drôles et hop, et lui s'est fait une config. Bah, de toute façon, maintenant, avant, il y avait des raisons d'avoir des consoles vu qu'il y avait des jeux exclusifs. Mais maintenant que même Sony fait comme Microsoft et sort tout sur PC, c'est vrai qu'il n'y a plus vraiment intérêt d'avoir des consoles. Ah bah, de toute façon, moi, la Play 5 et la Series X, c'est mes dernières consoles. Hein, j'en achèterai plus. Hein. Après, ouais, c'est. Ouais, ah, c'est après, quand elles seront dépassées, je me ferai une config. Hein. Déjà que tu vois la PS5 Pro, ça va être la première console que j'ai pas acheté de ma vie, quoi. Donc c'est pour te dire. Ouais. Alors que d'habitude je suis le premier à toujours tout acheter. Moi c'est fini les consoles. Je suis assez d'accord. Ah, attends, j'ai fait une connerie avec le menu radial. Mais même Kips sur le groupe, des fois quand tu. On le voit plus, il parle plus trop. Bah, je sais pas, ouais, je sais pas. Bah, tu sais, ouais, on est un peu pareil, honnêtement. Hein. C'est rare qu'on se parle, même nous tous, hein, c'est rare qu'on. Bon, on se répond quand même. Oui, mais c'est par période, tu vois, c'est par période. Il y a des moments. Je sais pas. Attends, je cherche un truc parce que j'ai fait une connerie avec le menu radial. Là, t'es sur le jeu ou pas là? Ouais, je suis en train d'explorer le village là, du village du vent là. Je connais sûrement pas parce que j'ai pas du tout exploré toute la map en plus. Ah oui, ça doit être le village, c'est les trucs où il y a les trucs suspendus là, c'est ça là. Ouais, voilà. Ouais. Des cailloux là, je sais pas quoi là. Ouais. Ouais, je vois lequel c'est celui-là. Je suis en train de faire le tour, genre les PNJ, je leur parle. J'écoute ce qu'ils ont à dire. Ah bah oui, moi il y a la tempête qui vient d'apparaître. C'est dans quoi que je. Parti où ce fils de pute là? Il est parti se poser. Alors truc des fois on dirait les trucs des pays de l'Est là, la Mongolie et tout là. Ouais, encore ça a changé maintenant je pense tous ces pays là, ils ont bien évolué quand même. Oh, ils ont toujours leur tenue traditionnelle. Ah oui. Les Kazakhs, ouais. les Mongolies. Ouais, ça c'est clair. Et ça me fait penser à les PNJ, certaines tenues, ça me fait penser à aux tenues traditionnelles. Ouais, ils ont. Ouais, c'est. De toute façon, c'est un jeu. Je pense, moi, que ça va être un jeu qui va être plus dark que prévu en fait. Plus dark? Ouais, plus sombre que les anciens Monster Hunter. Ouais, c'est vrai que ça serait bien d'avoir une histoire, une vraie histoire, tu vois. Et bah, l'histoire, déjà, on sait un petit peu parce qu'il suffit d'observer le terrain et ce qui se passe. Il y a beaucoup de camps, il n'y aura pas beaucoup de villes principales, tu vois, il y aura beaucoup de camps de nomades de différents types et tout. Et apparemment, et moi je pense pareil, mais c'est pas moi qui l'ai trouvé, mais je suis assez d'accord. Apparemment, ce serait à propos d'une ancienne civilisation qui serait là avant qu'il y ait déjà ces nomades, tu vois, et tout. Un peu comme les, je sais pas, si tu crois pas que c'est les Égyptiens qui ont fait les pyramides, genre, tu vois, certains pensent que c'est une autre race, une autre espèce ou des animaux. Ah ouais, un truc plus ancien. Vraiment bien plus ancien, voilà. Par exemple, ce serait eux qui auraient créé les piliers là pour l'orage et tout. Les obélisques. Ouais, les trucs pour l'orage. Non, mais là, je parle dans le jeu, tu sais, il y a des sortes de piliers, là, des sortes de. Ah, je suis pas en vrai. Ouais, non. Les obélisques. Ah oui, là, t'es aussi, en vrai. Des obélisques aussi, t'as raison, Marc. T'es en vrai, là, t'es dans le jeu plutôt. Ouais, là, je parlais dans le jeu, ouais. Ah oui, les piliers pour l'orage, oui. Ouais. Donc, on verra bien. Barre d'objets étendue. Putain, en papotant, j'ai du mal. Oh, ouais. Wow. Bon bah tant pis, je trouve pas où est le truc du menu radial, hein. Tant pis. Voilà. Ouais, Redo. Ça va? Ouais. Ok. Ah, oh putain, il te fait de l'effet, Redo, ça y est. Oh, j'adore ce monstre, franchement, j'adore le faire. Bah après c'est le monstre qui ressemble le plus à un dragon aussi donc. Oh parce que l'autre là le Chupacabra, non pas non merde
Oui, le Chazakabra. Non, Doshaguma, voilà. Ah, il m'a gonflé, ouais. Je l'ai fait en solo. Ce matin, je l'ai fait en solo. Oh là là, j'ai failli péter mon crâne. Hein. J'ai failli balancer la manette. Hein. Ah ouais. Mais je le déteste. Le Doshaguma, en fait, moi j'aime bien le faire, mais sans. Tu sais, en. Comment dire. En gardant toute la meute ensemble, quoi, tu vois. Oh là là. Au katana, c'est vraiment un enfer, ce mob, je le déteste. En tout cas, quand tu prends le temps de regarder, c'est marrant parce que tu vois à l'avance où le. Tu vois d'avance où l'éclair va tomber, quoi. C'est. Ah oui. Ouais, oui, il y a des étincelles. Voilà, il y a des étincelles, ouais. Et là, par exemple, il y a plein de petits feux partout autour de moi. C'est trop drôle. Dans les plaines, là, je suis dans les plaines. Et toi, tu l'as fait, Redo, depuis qu'on a joué ensemble? Non, je l'ai même pas encore tué. Non, mais parce que je te dis, j'ai vraiment pas joué. J'ai pas trop eu le temps, en fait. J'ai le temps que le soir, ouais, bah. Mais à partir de demain, j'essaie de faire tout ce que j'ai à faire demain matin, comme ça, après, j'aurai le temps. Oh, j'étais content quand je l'ai tombé la première fois. Oh, il est bien. Bah, en vrai, à 4, ça va vite. En 20-25 minutes, c'est plié. Ouais, mais c'est bien. Moi, c'est ce qui les deux trucs qui me faisaient peur, c'était que le jeu soit trop facile. Et en deuxième, que les. Comment ça? Qu'il n'y ait pas de endgame, tu vois. Mais là, je suis un peu rassuré parce que quand je vois. Ouais. Redo, en fait, ce qui est bien. Ouais, ça sera un niveau Ratian ou Ratalos, quoi. Ça sera pas plus. Je pense. Ouais, bah après ça dépend parce que t'as vu dans le jeu que les monstres ont plusieurs niveaux de difficulté. Ouais. Donc il y a des Doshaguma qui ont une étoile violette, une qui ont 2, 3, 4. Peut-être qu'il y aura jusqu'à 10 étoiles violettes et donc tu peux te faire un Redo qui aura une étoile. Peut-être que celui que t'as fait c'était un 2 étoiles. Et peut-être que t'auras un plus dur qui sera à 4 étoiles, tu vois. Moi je trouve que le Redo, je sais pas ce que t'en penses, mais moi je le mettrais à un niveau. Niveau Ratalos Azur. Parce qu'il est pas. Voilà. Il est faisable, c'est vrai, mais faut quand même s'en méfier, tu vois. Comme un Ratalos Azur ou peut-être pas un Ratalos Argent, parce que bon, Ratalos Argent. Ah si, peut-être. Ouais, si, un Ratalos Argent, je serais plus. Ouais. Je sais pas ce que t'en penses. Le Redo. Bah, je sais pas, je l'ai pas fait encore. J'ai juste tapé un petit peu, mais. Mais il peut faire mal, il peut nous one-shot dans la démo, dans la bêta. Non, Ratalos Argent, non, c'est il est trop vénère. Quand il se met en mode vénère, non, il est trop rapide. Le Redo, il est beaucoup plus lent. Mais c'est vrai que t'as raison, faut s'en méfier quand même, hein, parce que t'as vite fait de faire one-shot. Hein. Tu sous-estimes et puis hop, tu baisses ta garde et bam, c'est là qu'il te baise. Ah, il y a Milo. Attends, j'espère que c'est pas... Il y a un mec qui vient de me rejoindre dans la quête, il s'appelle Milo. Ouais, comme Milo sur Xbox, ça doit pas être le même, je pense. Non, je pense pas. Là, j'étais en train de prendre le chemin pour aller à la deuxième map, la forêt écarlate. Et ça dit, il fait demi-tour et ça dit, je ferais mieux de me concentrer sur ma tâche. Ah, tu peux pas? Ouais, tu peux pas, malheureusement. Il y a que la map de départ. Mais il y aura une autre bêta ou pas? Ah, bah, je pense que oui, il y en aura. En fait, d'après moi, cette bêta, je l'attendais plutôt en décembre, mais tant mieux, ils l'ont sorti dès maintenant. Et je pense qu'il y en aura une autre en décembre au moment des... Ouais, ils vont rajouter des trucs. Bah, ils feront une bêta sur la deuxième map, par exemple, ou... tu vois. Moi, je pense qu'il y en aura une... Faut que je me mette prêt, je suis con. Partir avec les rendez-vous actuels. Oh, merde, attends. J'avais pas compris qu'il fallait que je me mette prêt pour la quête. Par contre, c'est vrai que ça ferait... Putain, les compos qu'on farm, ça ferait chier de les perdre, franchement. Mais c'est rien ça, tu te prends la tête pour rien. Moi j'ai pas du tout envie de rusher le jeu. Hein. Moi le jour où le jeu sortira, je peux te dire je serai à fond dessus comme d'habitude. Moi non plus. Mais j'ai pas envie d'être à la fin du jeu en une semaine quoi. Moi non plus, mais vraiment mon temps. Hein. Mais bon, tu vois, ça fait chier de perdre ce que t'as sur la bêta quoi. Mais la bêta c'est pour découvrir, tu t'en fous de rien garder. Moi je trouve plus intéressant qu'ils aient gardé. Qu'ils nous permettent de créer notre personnage à l'avance, comme ça on sera pas trop emmerdé, tu vois. Parce que
Comme ça, ça évitera de se faire chier. Merde. Putain, il m'a défoncé là. Ça, par contre, c'est un peu le bazar quand. Oh, voilà. Putain! J'ai voulu esquiver et j'ai. Ah putain, il faut que j'apprenne à faire l'esquive avec les doubles dagues parce que je sais que c'est. C'est je me trompe de bouton en fait. Attends. On a reçu du matériel. Regarde dans la salle. Jack. Oh ouais. Il a même pas. Ah voilà, c'est ce bouton là. Ok, d'accord. Jacket. Lui aussi, il est encore. Il est encore au chaume du lui aussi. Non, il cherche en ce moment. Il cherche. Ouais, mais après, le chaume du coup. Attends. Je t'envoie. Attends. Il est comme moi, il est au chômage. Ah, ben enfin. Ah désolé, mon clavier est en anglais donc je fais que des erreurs là. Ah non, c'est... ah ouais, ah putain le secret. Ah ouais, ils sont bien les secrets. Regarde, ça c'est la deuxième skin, tu vois. Que tu peux débloquer dans la démo d'ailleurs. Pourquoi tu m'envoies ça? T'as pas compris. Enfin, c'est pas grave. Ah oui. Bah c'est pas grave. Non, c'est pas grave, mais J'ai rien dit de mal. Mais ah, ta gueule. Ah putain, tu fais ta gueule. T'as qu'à m'envoyer ça par message idiot ou quoi. Qu'il est con celui-là, je te jure. Bon, moi je m'en cache pas, moi je suis au chômage, hein. Je cherche aussi. Ah, je suis dans la merde. Mais oui, non, mais lui, il cherche, hein, parce que il m'a dit qu'il cherchait, il a passé l'après-midi à faire des trucs, des tests et tout, pour être dans une usine. Ah, je suis sur le map, nickel. Bon, l'usine, de toute façon, c'est de la merde. Moi, c'est fini, j'arrête ça. Bah, moi, c'est vrai que l'usine, ça me plairait pas, c'est pour ça que je lui ai dit, essaye de... Essaye de voir si tu peux peut-être bosser en tant que serveur ou en tant que vendeur, tu vois. En vrai de vrai, l'usine c'est bien, ça paye quand il y a du boulot et que tu peux faire des heures sup, tu vois. Après, ce qui est chiant avec les usines, c'est qu'il faut taper des horaires à la con, genre des factions, les 3-8 là et tout. Bah, bon, c'est des rythmes assez spéciaux, mais ça paye à peu près bien. C'est pour moi, c'est le seul truc qui paye quand t'as pas de diplôme et que t'as rien, tu vois. Ah ouais? Mais bon, le problème, tu vois, ce qui se pose, moi c'est le cas sur Angoulême, y a plus rien, y a plus de boulot. Ouais, c'est galère. Y a plein de gens sur la paille, y a plein de gens qui sont au chômage, hein. C'est un truc de fou. Oui, qui sont au chômage ou à la paille, ou. Ben c'est ça, mais c'est que le problème, moi, c'est que mon chômage, moi, au mois de janvier, j'en ai plus. Mais. Ce que j'aime bien, c'est que en ce moment, comme le gouvernement met un peu la pression et tout, j'ai remarqué, et les gens se bougent un peu plus pour trouver du boulot. Ça, je trouve ça plutôt pas mal parce qu'il y a quand même pas mal de profiteurs. Ça, je suis d'accord, mais. Toi, je sais que t'es pas comme ça, hein, mais certains. Ah bah non, moi, si j'avais du boulot, je serais en train de bosser. Mais il y en a certains, tu vois, qui aiment bien, tu sais, faire juste. Ouais. Leur mois de travail et puis après ils se corrigent. Oh mais maintenant c'est fini ça parce que maintenant pour pouvoir commencer à cumuler du chômage faut que tu travailles au minimum 4 mois et après au bout des 4 mois tu commences à accumuler le chômage, c'est fini ça maintenant. Ouais, c'est ça comme c'est comme ça que ouais, ça marche. Ouais mais c'est bien, il y a des pays où c'est bien pire. Hein. Oui ah bah oui. Mais bon, enfin, tu vois, quand t'es dans une région où il n'y a pas beaucoup de boulot. Et t'enchaînes, tu vois, tu fais 2-3 mois par-ci par-là, ben en fin de compte, tu cumules plus pour le chômage. Ouais. Et c'est en fait, c'est pour ça que c'est la merde. Il y a, tu vois, là, je fais un 2 Shugama qui est 4 étoiles, honnêtement, il te met des raclés, il fait vraiment mal. Hein. Bon, après, j'ai pas pensé à manger. Ah, attends. Merde. Tu sais que ce matin, j'en ai fait un à 4 étoiles. Tu sais, c'est lui que je te parlais, là, qui m'a fait failli faire casser ma manette.
4 étoiles, il était, hein. Je peux te dire qu'il te mettait des espèces de coups. Bah ouais, bah il fait mal, hein, ouais, c'est clair. Ah, j'ai pris 2 dérouillés, je peux te dire que mon ego en a pris un coup. Et moi, j'aime bien faire les deux Shaguma, tu vois, là, il y en a deux en même temps. Oh, ah, je déteste. J'aimerais bien mode de merde. Vers, Bah, j'aime bien les mobs qui sont en meute comme ça, moi. En plus, je trouve qu'il est pas beau, il est moche, il a une tête dégueulasse. Honnêtement, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, j'aime pas du tout ce monstre. Bah, c'est un gros tas de poils, quoi. Ouais. Oh, même son crâne. Il est pas forcément sexy, mais comme c'est un truc en meute, j'aime bien le concept. Moi. Après, oui, il a une gueule bizarre, c'est clair. Il me fait penser à un... Sa tête me fait penser à un autre monstre. D'un tout autre univers de... Je sais plus... J'arriverai plus à mettre un nom... On dirait un mix de lion et de... Je sais pas quoi. Ah, il est... Attends, il a une blessure, là. Merci, moi. J'aime bien parce qu'il bouge assez vite quand même, le Shaguma, il rigole pas trop. Moi j'en ai 3 sur ma gueule là, tu vois. Bah on pourrait essayer de se rejoindre après. Je vais aller faire si ça déconne pas quoi. Je vais aller. Ouais, je sais pas, il est 23h17, moi je vais me faire un petit rideau de ski, après je vais aller me coucher parce que demain je me lève. Moi aussi je me lève demain, mais sauf que moi je dors jamais, je dors pas beaucoup moi. Ah, mais moi j'aime bien avoir mes heures de sommeil. Putain, là il y a 2 Doshaguma et un Chatacabra. Ah putain, il m'a même pas... Putain, je suis mort, il m'a même pas mis un coup en fait, il a juste... c'est son corps. Ah toi aussi. Ah toi aussi, moi ça m'a fait la main ce matin. Ouais, il s'est retourné et son corps, c'est comme si son corps avait c'est tapé ça. Dans mon corps. Et que, moi il venait de me taper, moi ce matin il m'a tapé et je me relève, il se retourne et je meurs. Que je comprends pas. Ah ouais, là c'est... Ouais, c'est spécial. Ah la même, ouais, il m'a fait la même, ouais. Mais bon, c'est pas idiot, remarque, parce qu'après tout, si un ours te fonce dessus sans t'attaquer, bah t'es quand même éjecté, il peut te faire des dégâts, tu vois. Donc pourquoi pas, à la limite, mais c'est vrai que je savais ouais, pas. Ouais, ouais, mais de la mourir quand même. Encore, il te resterait 1 mm de vie, bon, à la limite. Bon. Ouais, c'est vrai quoi. Ouais. Mais bon, moi je suis content parce qu'en fait, j'avais vraiment peur que le jeu soit trop facile. Et, bon. Ouais, et puis après c'est que la bêta, après quand le jeu va sortir il y aura plein d'autres choses, c'est ça qui est bien. Ouais voilà, et puis ça veut dire, si dès le début il y a quelques mobs qui peuvent te mettre une raclée, c'est plutôt bon signe moi je trouve, pour le reste. Parce que moi je flippais que le jeu soit trop facile, quoi, que ça fasse comme Rise, tu te rappelles Rise? Bah, c'était, ouais au début. Tout était facile dans le mode du début de Rise. Ah, juste moi sur Rise qui me pétait les coups c'était les trucs où fallait résister là. Ah les je sais plus comment ils appellent ça là. Les calamités voilà. Ouais voilà. Ah ça c'était de la merde. Oh là là, nul à chier ça, aucun intérêt. Bah moi disons que je détestais pas, je trouvais ça pourquoi pas, mais en fait c'est vrai que c'était un peu c'est un peu répétitif et c'est moins intéressant qu'une vraie chasse. Et puis surtout, le vrai problème, c'est que tu te dis combien de temps ils ont passé dans ces à faire toutes ces calamités et tout. Et ils auraient pu utiliser tout ce temps pour faire des nouveaux mobs et plus de trucs, tu vois. C'est ça, ouais. Donc c'est vrai que, ouais, ça, c'est un peu dommage, quoi. Ah bon, moi, tu vois, sur le peu de monstres qu'il y a, tu vois, je me dis, là, il y a le rideau, il y aura des monstres encore plus durs et tout. C'est ça qui est bien. Tu te dis, comme tu dis, il sera pas trop facile. Bah, tu connais, t'as fait exprès de pas te faire spoiler en regardant pas trop les trailers alors des autres mondes et tout. Des autres monstres. J'ai rien regardé et tout. Oh là je t'avoue, là. Je m'y suis même pas intéressé d'ailleurs. Ah oh bah putain. Parce qu'il y a des monstres que tu regarderais, tu serais là, what the fuck. J'ai jamais vu ça dans un Monster Hunter quoi.
Ouais, après, c'est volontaire aussi, je m'intéresse pas parce que bon, le jeu sort quand même le fin février, tu vois. Alors se foutre de l'eau à la bouche alors qu'il reste encore plus de 6 mois à attendre quasiment. Mais pas 6 mois, il reste 4 mois, qu'est-ce que tu racontes? 4 mois, oui, décembre, pardon. Décembre, janvier, février. Ouais, dis pas 6 mois, arrête. Ah, c'est... Bah, tu vois, là, je viens de réussir à faire une esquive et j'ai mon perso qui avait un truc bleu autour de lui, là, une aura bleue, et ça déclenche, ça te donne plein de nouveaux coups en fait. Ouais. Comme le katana, ouais, pareil, ouais. Quand tu fais ton enchaînement final, là, hop, ça te met plein d'autres coups. Ça, par contre, c'est vrai qu'il fait mal. Ah, merci. Ah, mais c'est que... Saloperie de chaque mouvement. Il y a plein de réflexes que j'ai perdu sur un truc de dingue. Ouais. J'ai rejoint un gars, on va aller taper le rideau. Il y a que le rideau qui t'intéresse. Ah ouais, la mort. Bah, l'autre ver de terre. Bon, moi je l'aime bien. Il y a que le Chatacabra que je trouve qui est trop punching ball, un peu comme un grand Jagra. Il se défend pas assez. Ah oui. Ah putain, j'ai voulu esquiver, j'ai pas. Putain, il est énorme ce rideau là. Wow. Ouais, nickel. Allez, allez, on va la chasse. Oh putain. Là, tu vois, il m'a mis un coup d'éclair là. Je suis mid-life. Hein. Faut pas en prendre un autre. Hein. Ah ouais, il fait mal. Voilà. Attends, je vais essayer l'arc. Voilà. Ah bah nickel, bien, il est en dessous de la pierre. Allez, ça rejoint la quête. Et tu vois, il y avait un gars, quand j'ai fait un rideau, il était à la corne de chasse. Bah putain, la corne de chasse, elle a l'air pas mal aussi, hein. Mais ouais, mais toutes les armes sont dessus, hein. Oh, le gars, il faisait des dingueries avec. Ouais, ouais. Oh putain. Wow, j'ai pris son ulti en pleine gueule. Merci la résistance élémentaire, parce qu'alors là je serais plus de ce monde. Ah putain. Putain, mais il est trop vénère de chaque main, c'est un truc de dingue. Putain, je suis tout seul à taper, c'est quoi, ils sont où tous ces fils de pute là? Merde, pardon. Ah bah c'est pas grave, quand tu parles des autres, ça me dérange pas. Ah non, mais il y a 4 gars, on est 4 en tout, je suis tout seul à taper là. Les autres, ils sont pas là. Ce que j'adore, c'est le focus de l'arc. Oh putain. Oulala, c'est moi qui dis. Putain, mais j'ai jamais vu de Shaguma faire ça. Il soulève le sol, il envoie plein de projectiles et tout. Normalement, ça c'est son ulti, ça normalement. Ah ouais, mais bah ouais, parce que ça, la ville disait qu'il allait me one shot en faisant ça, donc. Ah moi j'aime bien le Shaguma parce qu'il est un peu imprévisible, quoi. Son moveset, il est. Mm.
Comment on fait le truc barrage là? Attaque surprise chargée. Voilà. C'est pas triangle rond, non? Ouais, non, ça c'est Père Dragon, mais non, je parle du tir de barrage. Tu te rappelles qu'il faisait tomber plein de flèches là? Ah, faut viser et faire rond, je crois, non? Normalement, faut faire bas, faut reculer en même temps. Là, si je recule, je tire trois flèches avec rond. Non, je crois qu'il faut juste viser et faire rond au lieu de tir de barrage. Non, voilà, non, j'essaye, mais non, ça veut pas. Ça marche pas. Ah non. Et aussi, ce matin, j'étais avec des gars, on a tout cassé sur le rideau. On lui a coupé la queue, cassé les cornes, cassé les ailes, tout. Et putain, Dieu seul sait... combien de fois je m'acharnais sur sa queue pour pouvoir la couper, putain, elle était vraiment dure à couper par contre, hein. Ah ouais? Ah, faut vraiment s'acharner, hein. Faut même y aller à deux. Ou à trois, même. Attends, je vais mettre une bombe et la faire rouler. Ah merde, j'ai pas de bombe. Allez, victimisé. Ah, on est dans le nid du Shaguma. Ouh, il a pas eu. Ah, nickel, on passe en période d'abondance. Oh putain. Heureusement que le jeu est pas tout le temps tout gris, tu sais, dans la première map. Là. Ah là là, ouais. Quand le jeu est en couleur comme ça, il est magnifique. Qu'est-ce qu'il fait mon secret là? Allez, les 8 jours. T'as déjà essayé les capsules détonantes là? Le bruit qu'à fond quand ça tape le monde, ça fait comme si non. Tu pétais un ballon dans une pièce, trop drôle. Ah d'ailleurs. C'est vrai, les capsules détonantes. Attends, c'est pas les capsules sonores? Non. Tu sais, c'est comme les frags noix que tu balançais sur Word. Ah ouais, ok, d'accord. Des trucs que tu mets dans la fronde. Et genre quand tu les balances sur la gueule lion, ça fait un bouif, ça fait splash. C'est trop drôle. Capsule aveuglante, capsule sonore, capsule de blues, capsule de l'heure, c'est ça? Les capsules de l'heure? Non, détonante. Ah, j'en ai pas. Ouais, faut les trouver. Attends, qu'est-ce que j'en vois? En combat. Oh là là, je suis trop fan du katana, c'est incroyable. Il est incroyable de jouer le katana. Et bah, Jack, il me disait, la première arme qu'il a essayé, c'est la Volto, il était pas moi. Il m'a dit, c'est nickel. Ah putain, il me dit, allez. On va changer d'arme. Voilà. Pourquoi il m'en veut qu'à moi là? Pourquoi j'ai pris l'agro? Ah putain, ça, tu sais quoi? Je sais pourquoi j'ai pris l'agro. C'est les capsules que je lui ai envoyées. Ah ouais. C'est des capsules pour prendre l'agro en fait. Ah putain, merde. Ah, allez, barre-toi le secret là. Putain. Ah, il est vénère là. Il est à son nid, mais putain, on l'a pas encore tué. Hein. Attends. Mais ouais, je vais mourir. Ah bah tu vois, c'est cool. Mais pourquoi les mecs ils restent? Je comprends pas. C'est... Les joueurs, il y en a certains, ils restent sur leur secret à attendre. Il va le louper ce con. Et il l'a loupé. Oh, il était monté dessus le gars, il a même pas réussi à le foutre par terre. Oh le blaireau quoi. Ah mais merde, attends. Voilà.
Putain, je me trompe dans les boutons, je suis pas... Ouais. Pas habitué. Oh, bien joué. Le rideau, il a une blessure sur la tête, il y en a pas un qui a les couilles de s'attaquer à sa tête, ils ont tous peur. Eh merde, eh merde, eh merde, ah pu, ah pu, pu, pu. Ah, génial. Le Doshaguma, il vient de choper un monstre pour nous l'envoyer dans la gueule. Un putain. Petit monstre. Ouais, ouais, ouais. Je... Attends. Faut comme que je comme le Devil Joe. Ouais, ouais. Je sais pas si vont, j'espère qu'ils vont le remettre, le cornichon. Bah après, dans, sur la version PC, tu sais, les mecs ont fait du data mining, tu sais, pour... Ouais, les mods. Non, du data mining, ça veut dire quand tu fouilles les fichiers de la démo. Ah oui, pardon, oui. Pour savoir ce qu'il y a dedans, tu vois, ce qu'il y a, si ça donne des indices sur le jeu final, quoi. Et en fait, je peux te donner des noms de monstres qui n'ont pas encore été annoncés, mais bon... Tu vas peut-être te regretter. Bon, après, ça change rien, honnêtement, que je le sache ou pas. Tu veux savoir ? Ouais. Alors, les meilleurs monstres du jeu reviennent, c'est-à-dire Seregios, Zinogre, Mizutsune. Mizutsune, c'était logique parce que le monde numéro 2, c'est une forêt avec beaucoup d'eau et qui a des inondations. Donc, il y aura bon, Zinogre, lui, c'est normal, c'est un peu le. Ah oui, mais bizarrement, attends. Phare. Ouais, mais Zinogre et Mizu. Ils seront ils seront pas dans le jeu de base. Ils seront dans le premier update, la première, tu sais, quand font toujours une roadmap d'un an où il y a 5-6 mises à jour de contenu avec des nouvelles maps, des nouvelles. Je pense qu'ils veulent privilégier la nouveauté que de remettre des monstres qu'on connaît. Après, il y aura quand même des monstres qu'on connaît. Tu vois, par exemple, je suis sûr que le Kirin, moi, il va venir pour être dans ces plaines où il y a de l'orage. Je sens bien qu'il y aura le Kirin aussi, tu vois. Après, il y en a beaucoup qui ont déjà été annoncés. Hein. Le Yann Koutkout, je sais pas si tu le connais peut-être pas, lui, vu que tu as fait Quirrell. C'est comme un Yann Garuga. C'est un peu comme un Yann Garuga. Dans le monde de glace, apparemment, il y aura un Gamoth, un gros éléphant qui est excellent. Moi, par contre, ce que j'aimerais qu'ils mettent, c'est comme dans les anciens, genre les Monster Hunter 4, genre des gros monstres, tu vois, avec leur propre zone. Genre l'Ouklanos ou la Cantor, tu vois. Genre, ils ont leur zone à eux, dans leur environnement. Et puis, tu sais, c'est un semi-légendaire, tu vois. Ouais, ouais. Ou qu'ils fassent un... Mais moi, je suis sûr qu'ils feront des trucs aussi, tu sais, comme des raids, tu sais, comme la cuve Tarot. La cuve Tarot, elle va très bien. Elle va parfaitement avec le troisième monde qu'ils ont montré, là. Le monde de pétrole, là, et tout. Honnêtement, tu sais, ça me ferait chier qu'ils remettent la cul parce que bon, on connaît quoi. Ouais, mais s'ils la remettent, je pense qu'ils mettront un petit spin dessus, tu vois. Ce serait pas exactement. Ouais. Ce serait pas que les mêmes attaques et l'environnement serait différent et tout. Je sais pas. Oui, mais en tout cas, je pense qu'il y aura des trucs comme ça, en tout cas, tu vois, genre la quête du Safi Jiva ou. Genre, tu vois, par exemple, dans la map qu'on a actuellement, genre, je sais pas si t'as connu. Le Jen Moran et tout le bordel sur Monster Hunter 3, là. L'espèce de monstre à deux cornes, là. Non, celui-là, il ne dit rien. Non. C'est un peu comme... merde. C'est un peu comme une baleine à cornes, en fait. Et en fin de compte, t'es sur un gros bateau, tu sais, comme quand t'arrives... Ah oui. C'est des... voilà. un peu comme comment il s'appelle, le gros monstre le Lao Shen, je sais pas quoi, là, tu sais, où tu dois protéger un village ou une tour ou je sais pas quoi. Et le Lao Shen avance tout doucement et tu dois absolument le ralentir. Oui. C'est un truc... comment ça s'appelle dans Monster Hunter, ces trucs? Les trucs de siège, quoi, tu veux dire, c'est ça? Ouais, où t'as voilà, une map ouais. spéciale et tout. Ouais, comme dans Monster Hunter Génération Ultimate, il y avait aussi un mob qui était
Ça te déposait dans un coin, dans une map où c'était tout noir, il y avait des ossements par terre, et tu avais juste quelques arbalètes, et le monstre il se fabriquait à partir des os, tu sais, qui étaient dans le sol, il était super grand et tout. Et d'ailleurs, ce monstre-là, je sais plus son nom, mais ça me fait penser à un des monstres qu'ils ont présenté dans le monde pétrolier. Là. Celui-là, je suis sûr que tu vas l'adorer, ce monstre-là. Moi, c'est mon coup de cœur pour l'instant des nouveaux monstres qu'ils ont montrés, quoi. Il y a un monstre qui fait penser à Anamiel aussi dans le monde de l'eau, qu'ils ont présenté. Quête membre du lobby. Membre relié, 3 quêtes. Ouais, mais membres reliés, ils sont pas en ligne, les membres reliés que je connaisse. Putain, il est coriace là, le rédo là qu'on fait, putain, il est pas encore mort. Attends, tu sais quoi, je vois ta quête du rédo là, vu qu'on était reliés. Attends, je crois, hein. Attends. Parce que vu qu'on est relié normalement, parce que là je vois un rédo à 4, mais je vois pas ton nom. Je vois DN Senpai, Loki, Asgard. Ah, bah enfin, on vient de le tuer. Ah non, il n'y a pas ton nom à toi, c'est bizarre. ça doit être peut-être Jack alors qu'il joue. Mais oui, mais je vois pas son nom, c'est bizarre. Merde, elle est où sa queue? Elle est là. Balara 4. Elle est là. Oh! J'ai drop une gemme sur la queue. La gemme du Redo ou une gemme à la gemme. La gemme du rédo sur la queue. Putain, ils sont généreux là, honnêtement. J'espère que ce sera pas comme ça dans le jeu final. Hein. Qu'on galère un petit peu quand même. Hein. Bon, là, c'est la 6e fois que je le fais là. En tout. Oh, genre que. Hey, 2 gemmes de plus. Allez, badada, on va les récompenses. 7e, 8e là, j'ai en tout. Dis-moi, j'ai une question con, mais tu vas pas me croire, j'arrive jamais à le faire. Tu sais, quand la monture elle saute de très haut là, en sortant du village, moi à chaque fois j'appuie sur croix et donc du coup, moi c'est mon perso qui saute de la monture et qui se casse la gueule. Pour déployer les ailes, faut faire R2, la gâchette en bas à droite. Ah putain, d'accord, ok. Et tu planes. Mais bon, ça tu planes pas en illimité à un moment donné. Ouais, le non, truc, non, mais je sais, il descend. Ouais, puis il descend. Enfin, il tombe. Il y a même à force de rester en planat, en plat plané, pfiou, le truc il tombe. Ah, capsule détonante, ah, c'est bon, j'ai trouvé. Ouais, c'est marrant quand tu tapes les barres dans la gueule des mains, ça fait un espèce de bruit, c'est trop drôle. Putain, déjà 23h38, quoi, ça passe à une vitesse, les soirées, sérieux. Ça dépend, ça fait longtemps que t'es dessus. Moi je vais arrêter là, moi, tu vois. Ça fait longtemps que t'es dessus, parce que moi ça fait même pas une heure que je suis dessus. Ah non, moi je suis connecté, il était 11h-20. Ah bah voilà, donc bon. T'as pas passé la soirée dessus non plus, t'as juste passé une heure dessus. Ouais, je parle en général, le temps il passe vite, je trouve. Ah oui. Ah nickel, ah putain, je voulais aller voir dans les grottes là. Mais... Et du coup, dans les mobs qui seraient susceptibles de revenir, genre ils vont mettre des monstres aquatiques, genre tu sais, type la Diacrus et tout. Le Lagus, moi je pense que c'est obligé qu'ils vont le mettre.
Parce qu'il y aura, il y a des zones aquatiques, hein, même dans, tu peux aller sous l'eau déjà dans celui-là, dans la map là. Il y a des zones que tu, là, t'as pas fait toute la map, mais t'as des zones où tu peux aller sous l'eau et diriger ton personnage et tout. Mais attention, il y a pas de combat aquatique, ça, ils ont dit clairement. Bon après comme... j'avoue que c'est pas plus mal parce que les combats aquatiques mais c'était sur pas le Monster top, Run... mais oui, ah non, voilà. C'était trop dur, c'était trop dur à se battre sous l'eau. Oh c'était un enfer. Non c'était pas top. Je m'en souviens sur le Monster Hunter 3 il y avait un monstre, c'était le plésiote là, l'espèce de poisson, mais oh là là, un poisson survitaminé là. Ah les plésiotes. Il y avait le plésiote vert. Je déteste ces animaux-là parce que ces monstres-là parce qu'ils sont dans Stories 2 aussi. Dans Monster Hunter Stories. Et c'est les trucs les plus chiants et les plus. Ah bah dis-toi sur le Monster Hunter 3, tu le combattais sous l'eau, alors le normal ça allait, mais le vert, oh là là, le vert, il était survitaminé, hein. C'était incroyable. Attends, j'essaie de faire une attaque par derrière, j'ai ma cape. Jamais avec à faire l'attaque par derrière avec la cape. Ah ouais, en fait quand ils bougent, juste le fait de bouger ils peuvent te mettre. Ah c'est ça ouais. Explosion, focus, frappe du rapace, R1. Ah ouais, ok, d'accord. Accumuler énergie. Tire de parachute. Ah ouais, les mines au sol. Ah bah voilà, je cherchais. Ah merde, j'ai pris l'arc et le fusard comme un con. Je pensais avoir un truc. En fait, je pense que les retours de la bêta vont faire qu'ils vont améliorer des trucs. Oui, bah évidemment, ça c'est sûr. Surtout le réseau. Mais Mais ce que je pense, c'est que beaucoup de joueurs vont dire attendez, c'est un peu dommage. Moi, on aime bien la tempête de sable et tout, c'est sympa. Mais pourquoi faire autant pourquoi tous les décors sont aussi grisâtres, tu vois Bah, ils vont dire parce que tout est recouvert de sable, ça d'accord. Mais je trouve qu'il pourrait laisser un peu de couleur quand même et puis montrer genre qu'il y a du vent. Et du coup la pluie, on l'a pas vu encore la pluie. Non. Mais pourtant il y a toutes les conditions météo possibles. Hein. Et puis là toi dans la démo il y a tout le temps. Le ciel est tout le temps couvert aussi, apparemment la nuit. Parce que là il est couvert au moment où je te parle. Et pourtant, il y a plein de conditions dans le ciel, quoi. Tu peux voir des pluies de comètes, des aurores boréales. Tu peux voir plein de trucs et tu auras de la pluie. Mais en fait, le cycle jour-nuit, il n'est pas entièrement dans le jeu, dans la bêta. C'est vrai que c'est bien qu'ils mettent un peu l'accent sur les décors parce que on connaît Monster Hunter. Hein. Ils ont jamais vraiment mis l'accent sur les décors extérieurs. Ils sont vraiment focus sur les zones et ce qui se passe en dehors. Bon,
Voilà, c'était pas trop ça, quoi. Décor extérieur, qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, genre le ciel, genre Ah oui, ben, tout d'accord. ce qui est outre, Ouais. hors zone, tu vois, ce que tu vois au loin, tu vois. Ah ok, d'accord. Genre Ouais, sur ça. Ouais. ce qui n'est pas accessible, tu vois. Ah ouais. Ça, d'accord, ouais. Parce que j'ai l'impression que tu disais que Monster Hunter World était moche alors qu'il est super beau, je Non, trouve. non, non. Ah bah ils Oui. sont arrangés Oui. depuis Word et tout, mais les anciens. Ah oui, tous ceux qui étaient avant World, ouais, c'était Ah pas. ouais, c'est dans le Ah oui, c'est dans Rise. Oui, Rise, ils avaient fait un petit effort, mais bon, après c'était pareil. À part quelques trucs qui mettaient hors map, genre le... C'était quoi la méduse géante là, le truc qui se déplaçait dans le Ouais, monde de glace là, qu'on mais ça pouvait voir c'est. l'escargot géant là. Ah ouais, mais ça j'ai tellement galéré pour l'avoir. Il fallait rester au sommet Et du de monde de nuit, je crois glace. aussi. Et non, c'était à l'aube au coucher du soleil. J'ai mis des heures à la faire apparaître cette putain de méduse. C'est vraiment une des plus rares à trouver, moi je trouve. Ah, fallait être là au bon moment. Mais ce qui est bien, c'est que dans celui-là, il y aura plein de vie endémique aussi, qu'on peut capturer avec le filet, qu'on pourra sûrement mettre quelque part et tout. Donc il y a encore plein de choses. Oui, c'est vrai, j'ai vu qu'il y avait les filles aussi. Ouais, et puis il y a plein de bestioles qu'on peut déjà capturer là. Donc, filet. Ah, mais c'est cool, ça manquait trop dans Rise, moi je trouve ça. Tout ce qui était vie endémique, toutes les espèces de palicots, les grimalbines et. Comment ils s'appelaient les Gymkhana, je sais plus, pas Gymkhana, mais tu sais, ceux qui te faisaient chier là, dans la terre des anciens, tu sais, qui te jetaient des trucs à la gueule, tu sais, qui Ah oui, t'endormaient. les espèces de. Ouais, les. Pas les. Non, c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais. Ouais, les Les petits trucs masqués. Gymnakana, ouais, je sais plus comment ils s'appelaient. Les Mais là, casse-couilles masquées, ouais. ce sera pareil, il y aura plusieurs trucs. Ah, il se recasse, putain. Les monstres, ils se cassent souvent, hein. Qui ça? Les monstres, ils se cassent souvent, je trouve. Ouais, c'est infernal. Franchement, ça, j'espère qu'ils vont corriger un petit peu parce que c'est chiant. Bah après, ça te permet de, tu vois, de boire une Ouais, boisson, mais. de boire une potion. Genre, honnêtement, moi, le rideau, ça m'est arrivé que, genre, il se barre dans une zone, tu lui fous une vingtaine de coups à peine, et puis hop, il repart encore un peu plus loin. Ça, vraiment, c'est chiant. Mais bon, après, on va pas trop critiquer cette bêta. Voilà. C'est déjà bien. Ouais. C'est pour 16 gigas. Hein. Après, le poids, ça veut pas dire grand-chose en réalité. Parce qu'on sait que le jeu final fera 140 gigas. C'est donné dans les. Le poids, ça veut pas dire grand-chose, hein, honnêtement. Hein, parce que. Tu peux avoir un bon jeu qui pèse pas lourd et un mauvais jeu qui pèse très lourd, donc. Non, le truc dont les joueurs sont un petit peu inquiets en ce moment, c'est qu'ils ont peur qu'il n'y ait que 4 zones au lieu de 5. Parce que là, on a déjà vu 3 zones, non? On est sûr que la prochaine qui vont être dévoilées, ce sera un monde de glace. Quasiment, c'est vraiment quasi sûr. Mais normalement, il devrait y avoir une cinquième zone, tu vois. Et il y en a certains qui sont pas sûrs qu'il y en aurait une cinquième. Moi, je pense que si, parce qu'ils ils ont déjà dit qu'il y aurait plus de monde que dans World, de monstres. Donc, je pense pas qu'il ferait moins de monde que dans World, tu vois. Ouais. Ça me paraît être un petit peu.
sûr. Putain, il va pas me laisser attaquer. Oh là 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 là. Je pense avoir changé d'arme. Ah putain, je suis dans un... Ah putain, il vient de faire un trou dans le sable, je suis au milieu. Ah oui. Ah putain, je mais je crois que tu prends des dégâts si tu trouves... Non, tu tombes tout en bas, mais... Ah c'est bon, je suis sorti. Change d'arme. Il est fatigué. Allez, nickel. Ah, je peux mettre une mine au sol, je peux en mettre deux ou trois. Non, mais ce qui est sûr, c'est qu'on aura au moins deux bêta, je dirais, et au moins deux démos. À chaque fois, les démos, ils sont assez généreux. Ils en sortent une première où t'as deux, trois missions et une très, 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 très dure en général. Comme le Magnamalo, tu te rappelles, dans Raid. Il est super balèze dans la démo, alors qu'en vrai, il est bien moins... Je peux prendre avec des mots. Ça c'est l'idée du micro.
t'as besoin de faire des petits coins-coins pour... Tu devrais faire le loup-garou plutôt, c'est mieux. Voilà. C'est pas mieux pour aider. Hein. Putain, mais le Balara, il fait que de se barrer, ça. Le Balara. Il y a beaucoup de monstres qui ont un nom en A, quoi. Chatacabra, Balara... Ouais, c'est vrai. J'aimerais bien quand même qu'ils remettent le Nargante, quoi. Ouais. Ouais, ou une variante, tu vois. Ouais. Nergigante, je sais pas, moi. Ah, encore les petits monstres, ouais. Moi, j'aimerais... Moi, ce que j'aimerais aussi, c'est de mettre... Ouais, comme je te dis, comme on parlait tout à l'heure, tu sais, quelques monstres anciens d'anciens opus, tu vois. Ouais. Dragon ancien. Pour le Fatalis, honnêtement, non. C'est bon, on l'a déjà vu sur World. Ouais, mais ils peuvent en mettre un autre. Ils peuvent mettre le Crimson, Fatalis ou... Oui, le blanc aussi. Ouais, ou le blanc... Genre par exemple, le Tyrmiralis, c'est le boss final. Ah ouais. Il était excellent à son armure. Alors par contre, j'ai oublié de te dire, alors je te spoil un peu, mais en fait, ce qui est bien, c'est que dans les... dans les fichiers du qui ont été regardés sur PC là, il y a la notion du Gormagala, même avec son nom de code, parce qu'en fait chaque monstre a un nom de code particulier, en fait c'est dur à expliquer selon l'ordre de création dans la série, et c'est comme ça qu'on peut savoir quel monstre et quel code, quoi. Et le gore, et ce qui est marrant, c'est qu'on sait que le Gormagala sera là. Donc ah ouais, peut-être, le Gormagala, il sera là. Ouais, ouais, peut-être aussi le Shigaru Magala. Mais ce qui est bizarre aussi, c'est que dans les statues, il y a le, il y a la Frenzy, c'est la truc de Fury, là. Et, alors, parce que dans Rise, il y avait le Gormagala. Non, mais je vais pas faire un bar de film, moi, du coup. Et peut-être que dans celui-là, le Gormagala, oh, il y aurait encore un truc de virus et tout, tu vois. Ah ouais, la frénésie, ouais. Bah, de toute façon, ils sont obligés de le mettre, c'est ce qui va avec. Bah ouais, mais dans Rise, c'était pas vraiment... il n'y avait pas vraiment un focus sur le truc, je trouve. En tout cas, ni dans l'histoire, ni dans... Ah putain, non, le choix. Putain, mais il crève jamais, ce truc, c'est un truc de fou. C'est sur, encore sur ton... Ouais, ouais. Non, c'est, on est encore sur le Balara. C'est un Balara 4 étoiles, mais... On est 3 dessus. On est 3 dessus, j'en sais rien. Je te dirais qu'on les 34... Enfin... Sur la pendule, c'est à peu près à combien? Sur la pendule? Mais la petite pendule. Où ça? Ça indique le temps de la quête. Bah, je sais pas. Il y a toute une partie en jaune. Il n'y a qu'une... Il y a une aiguille ou deux, parce que je vois une aiguille en rouge et une aiguille en, en le jaune. Le rouge, c'est le point limite. Ah ok, bah je suis un peu... Ah, il me reste un peu moins de la moitié du temps. Ah ouais, putain. Ah ouais, donc ça fait au moins 20 minutes, alors je... Ah c'est bon, il est mort. Putain. Ouais, bah après on était 3. Et puis honnêtement, je faisais un peu n'importe quoi. Pas tes gueules. Ouais. Parce qu'il y a des gars, ils tapent pas, hein, ils... du sang, hein,
des fois quand t'es avec certains, rien non, mais là, ils, moi, sont, moi, ils sont pas aidés. Hein. Moi le premier honnêtement là je tapais pas. Hein. Je sais pas me servir. Je sais me servir du fusard dans les autres, mais là j'ai du mal. J'ai beaucoup de mal avec les boutons. En fait depuis que j'ai changé trop de boutons, c'est vrai que j'ai plus de mal. Parce que maintenant à chaque fois que je vais appeler le secret, il faut que je fasse RB et O. Et tout ça pour avoir pour pouvoir faire avec droite et gauche de la croix quoi pour avoir facilement accès aux objets alors qu'en fait c'est vrai qu'il vaut peut-être mieux les trucs comme c'était quoi. J'ai la moyenne. Je me demande à quoi ils servent les certificats là. Certificat Redo, certificat Balara. Ça se trouve, moi je pense que ce sera pour les armures. Ouais, sûrement. Et je vois pas à quoi ça peut servir d'autre. Armure ou arme. Ouais. Oh, ils notisent un peu en mettant ça dans la démo. Dans la bêta. Ouais. Parce qu'à ma connaissance, la forge, elle s'ouvre pas. Hein. Changer d'arme, je vais juste faire un peu d'exploration en tapant les petits monstres que les monstres que j'ai envie en solo. Allez, je vais mettre Redo. Putain, Redo il est 4 étoiles. Waouh, je préfère faire un Redo qui est un peu moins chaud pour le début. Mais je crois que les Redo ils sont tous niveau max, non? Ouais, je sais pas. Ah ouais, t'as raison, ouais. Ils sont tous 4 étoiles. Ouais. Ah, il y a des contrats aussi. Oui. Il y a des enquêtes, des contrats. Ah ouais, c'est enquête ou contrat. C'est quoi la différence? L'enquête, ouais, l'enquête c'est comme un contrat mais c'est une quête libre. Ah, les contrats par contre t'as plus de récompenses. Mmh. Ok. Banner 3 fois, voilà, c'est toutes les mêmes conditions, j'ai l'impression. Thank you.
Insecto. Épée bouclier. J'essaie la volto, tiens. Ah, what the fuck? Là. J'ai changé pour ça. Commande. Ah voilà.
J'arrive pas à me retrouver dans les options du jeu, là, tellement. T'es sur Edo? Non, 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 j'ai arrêté, là, je suis sur Zenless 0, là. Et il faut combien d'heures pour le faire, à peu près, celui-là? Zenless? Oh, j'en sais rien, ça dépend à ton à quel enfin à ton rythme. Moi là, je suis là, j'ai tout fini depuis un moment déjà. Ouais, tu me l'avais dit, mais tu te rappelles pas, ça te marque pas combien d'heures t'as mis dessus? Ah si, en tout là, je suis rendu presque à 160 heures là. Sans mettre un seul centime? Ah si, j'ai mis un peu d'argent. Mais pas pour avancer, c'était pour assez pour avoir des agents. Ah. Bon, j'ai arrêté, c'est bon. Nous avons été ravis. Faut déconner. Ça va trop vite dans ces trucs de cons là. Il a vite fait de balancer 160 euros comme qui rigole. Il gâcha là. J'espère qu'une drogue, ça. Voilà. J'avoue que j'ai été quand même chanceux là. Et, parce que tu sais, je sais pas si t'as vu, t'as joué un petit peu dessus, tu t'as les agents tous les 15 jours, enfin tous les 20 jours, t'as des nouveaux agents. C'est rédhibité, ah j'ai été changé sur les deux derniers. Le dernier qui est sorti, j'ai fait un tirage du premier coup je l'ai eu. Alors qu'il y en a ils ont fait 10, 15, 20, 30, 50 tirages, on va voir. Il y a un peu de chat. Allez, tu peux faire mieux. Là j'attends la prochaine mise à jour. Il va arriver dans quelques jours, la semaine prochaine je crois. Moi je suis en train de faire Redo avec une Volterash que j'ai jamais manié encore une seule fois. Putain mais il fait que de me viser ce truc Redo là. Et l'autre arme. Ouais si. Et l'autre arme c'est. Ah mais c'est que je me trompe tout le temps. Ça c'est la Volter. Et l'autre arme je sais même pas ce que. Ah putain, ah c'est un arc. Avec son cri aussi, il a son cri bizarre, arrête. J'adore quand ça fait du feu dans. Quand les attaques de Redo font du feu. Ah là, oui, ça crame le sol. Ouais. Putain, j'ai voulu. Ah putain, je faisais que des roulades, il est magnifique.
Ah, demain, je vais m'y mettre sérieusement. Faut vraiment que je fasse. Je vais me concentrer sur 4 armes, on va dire, demain. On va essayer un peu tout et n'importe quoi. Allez, un petit peu d'exercice. Spécialiste du camp provisoire. Arrêtez-nous. Revenez vite. Je vais reprendre les femmes doubles. Insectoglève, tiens. Attends, j'ai essayé de fusard à arbalète lourd pour moi. Stellar Blade. Toi, je l'ai fini en 33 heures le jeu. Ah ouais, ouais. Il a pas été très 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 long. Bah après, il était plutôt bien. Bah, de ce que j'ai testé, c'était plutôt sympa. Ah ouais, moi j'ai adoré l'histoire. Même si à la fin, pas trop. J'aime pas trop la fin parce qu'en fin de compte, en fait, c'est un retournement de situation. En fin de compte, les ennemis que tu combats, en fin de compte, c'est pas les bons, quoi. Ouais, c'est gentil, typiquement, et tu te rends compte que c'est toi le méchant. Ouais, enfin voilà, c'est la... ceux qui t'ont créé qui sont les méchants, en fait. Ouais. En fin de compte, c'est l'IA qui a pris le. Un peu à la. Voilà, c'est un peu les robots qui ont pris le contrôle et qui ont terminé les humains. Contre les humains pour se défendre, ils ont essayé d'évoluer génétiquement, c'est pas bien passé, mais ça grave temps. Et puis ben voilà, en fin de compte, les mutants que tu combats, qu'on t'envoie combattre, choper le gros mutant, et ben en fin de compte, ben, c'est obligeant. Ouais, c'est dans plein de films, non. Plein de jeux, c'est un truc. Et en fin de compte, à la fin de l'histoire, tu prends tous les pouvoirs du mutant originel. Donc en fin de compte, qui est ton ami depuis le début, celui qui t'a sauvé la vie, en fin de compte, c'est lui, le mutant originel depuis le début. Donc il t'accompagne avec toi tout le monde l'aventure et tout. En fin de compte, c'est lui le boss final, quoi. Donc soit tu choisis de le tuer, ou soit tu choisis de faire plus qu'un avec lui. Et puis ensuite, t'affronges justement ceux qui t'ont envoyé pour terminer les gens. Et en fin de compte, à la fin, le boss final de la colonie là, des robots, elle t'envoie toute son armée, et puis tu les tues tous. Et après, à la fin, au revoir, quoi. Y a plus rien d'autre. C'est rideau. Donc, est-ce qu'il y aura une suite? À mon avis, je pense que oui. Ah merde. Enfin, je pense que oui. Je pense que oui, non. On a perdu la quête. Ah, ça. Je sais même pas s'il y aura une suite, tu vois, à ce jeu. Ah oui, il y a eu un succès quand même. Et Mais c'est dommage, ça serait bien qu'il y ait une suite, parce qu'en fin de compte, ouais, quand je t'expliquais à la fin, ça laisse penser qu'il y aura une suite. Mais bon, il y a combien de jeux comme ça, où oui, à la fin, tu sais... Tous les jeux font ça, parce qu'ils se disent, en cas de succès, comme ça, on ouvre une porte, quoi. C'est ça. Mais bon, ça veut rien dire, malheureusement. Mais le jeu, il est trop bien fait, enfin, moi j'ai adoré. Quand il est super bien fait, bien fait et tout, mais par contre, le combat, j'ai un petit peu de mal. C'est pour moi... Il est dur, hein. Il est dur, je comprends. Ouais, c'est ça, et puis... essaye, si t'aimes bien ce jeu, tu devrais adorer Nier Automata. Tu te rappelles? Ah, j'y ai déjà joué, oui, sur Xbox, ouais. Et là, le combat, j'ai pas accroché. Bah ouais, mais tu devrais insister un peu, parce que franchement, le combat est génial. C'est super fluide et tout, c'est... Et c'est vrai que là, sur Stellar Blade, c'est vrai que le combat est dur. C'est vrai que le combat est dur, c'est du timing. Ouais, mais c'est pareil dans d'autres jeux, mais je sais pas comment expliquer.
dans Stellar Blade, je trouve que c'est je sais pas comment, c'est pas que c'est dur, c'est que c'est pas une combinaison de boutons à faire, genre faut appuyer sur un bouton et tirer le joystick vers le bas machin pour faire telle ou telle attaque spéciale. C'est pas ça qui me dérange, c'est juste que je sais pas comment le dire, c'est pas aussi kiffant. Ouais, voilà, c'est pas aussi satisfaisant en fait que certains autres modes de... dans Nier Automata, c'est pas... Nier Automata est plus simple en réalité, mais comme tu peux équiper ton robot de chip, tu sais, de puce et tout, tu peux le customiser à mort pour faire plein d'attaques différentes, plein de capacités différentes, et c'est plus... il y a un truc plus satisfaisant, j'ai trouvé. Ouais. Mais après, il y en a un que j'attends beaucoup, c'est comment il s'appelle, Crimson Desert, là, tu sais. Oui. Alors celui-là, putain, il a l'air vraiment super... il a l'air vraiment, vraiment bien. À voir. Bah, pour l'instant, ce qu'on en voit, honnêtement, ça donne plutôt envie. Il y a aussi un jeu que j'attends là, c'est 2025, c'est Doom. Doom Dark Age. Ouais, il a l'air trop bien. Moi, il n'y a que deux jeux que j'attends en 2025, c'est Monster Hunter et GTA 6. GTA 6. Et pareil, 2025, ça va être un truc de dingue au niveau ça. Ah, j'espère qu'il y aura un bon crossplay là. Je suis en train de jouer. Ils vont pas sortir un jeu de terre. Ah, délire. Ah, le sol s'est effondré. Ah putain, le monstre. Ah, il y avait un beau gros pic au sol en pierre. Et le monstre, en descendant de la falaise, il s'est empalé sur le pic déjà. Oh. Allez, laisse-moi te poser la blessure. Voilà. Que j'ai envie de faire, ça m'étonnerait qu'il me rejoigne. Les musiques sont pas mal, mais il manque un thème quand tu te balades et que... Je sais pas, il manque un peu de musique, je trouve, dans les moments où tu te balades juste et que tu explores. Ouais. Bah après, dans la version Deluxe, là, Premium, je sais pas quoi, j'ai vu qu'ils mettent le thème de Monster Hunter World en remix. Donc, je pense qu'il y aura des musiques que tu pourras, un peu comme dans Rise, télécharger.
Allez, calme-toi. Ah, il y a deux Tchatacabras déjà. On est en train d'en faire un. Ah, ça c'est génial. C'est rare dans World, tu sais, que tu fasses un Rajang et qu'il y a un deuxième Rajang qui apparaît. Ah oui. Parce qu'en général, c'est vrai que dans World, tu avais 3-4 monstres par map, tu vois. Enfin, ça n'avait pas 50. Quoi. Alors que là, vraiment, t'as l'impression que sur la map, à tout moment, il y en a pas mal quand même. Là on a deux Tchatacabras en même temps, donc c'est assez marrant. On se regroupe et on y retourne. Ouais, mais tu sais, moi, ça fait des années que je fais qu'un seul repas, et c'est le soir. Donc, hein. Et t'as pas plus faim que ça? Non, comme je bois pas mal de... Bah, pas mal, non, je bois une ou deux tasses de café au lait dans la journée, beaucoup d'eau, donc non, ça va. Après, des fois, je triche un peu, tu vois, cet après-midi, quand je suis rentré, j'ai mangé un petit bout de tarte aux pommes. Mais à part ça, bon, le soir, je fais juste un... Ça peut être... Voilà, je vais faire une escalope avec des petits champignons et des haricots verts. À minuit et demi. Ouais, ouais. Et puis après, je vais mettre soit un film, soit un rivier, soit une connerie ou une série. Et puis je m'endormirai devant, comme d'hab. Mais bon, moi je me couche tard aussi, je me couche vers 3-4 heures au moins. Putain. Et puis je me réveille, ça dépend. Les jours où j'arrive à rien à faire, je me lève à 9-10 heures. Et les jours où il y a un peu mal de trucs à faire, je me lève à 6-7 heures. 7 heures en général. Eh bah, toi t'as pas besoin de beaucoup dormir, toi. Non, non, bah non, en moyenne. Avec l'Apple Watch qui surveille ton sommeil, tu sais, qui te dit j'avais pris une capture d'écran que j'avais partagé avec Kipsou. En moyenne, je crois que j'étais un peu moins de 4 heures par nuit, j'étais à 3h20 ou 3h50, je sais plus, un truc comme ça, un peu moins de 4 heures. Comment tu pour tenir? Moi, c'est possible, même d'ailleurs. Bah, en fait, ça dépend des personnes, parce que j'en ai parlé plusieurs fois au docteur ou quoi, et il m'a dit en fait. Il m'a dit à des personnes qu'idéalement il faudrait dormir au moins 7 heures, il me disait, mais il me dit, il y a quand même des clients, des patients comme vous qui n'ont pas vraiment besoin de plus. Et voilà. Mais par contre, je vais quand même avoir une fois de temps en temps, si tu veux, c'est ça qui est bizarre, c'est que je peux tenir pas mal de temps en dormant comme ça. Mais par contre, il y a des fois où je vais avoir un gros coup de barre, mais vraiment au bout de 3 semaines, genre, tu vois. Et pendant un ou deux jours, je vais être. Là, je vais vraiment beaucoup dormir, tu vois. Donc, c'est un peu bizarre, mais. Je pense que ça dépend. Ça dépend aussi.
que tes parents faisaient quand t'étais plus petit ou quoi. Moi, mes parents, ils tenaient un bar, donc ils en tenaient plusieurs bars, mais comme ils tenaient un bar quand je rentrais de l'école le soir, à l'époque, les bars, même les bars classiques, c'était pas une discothèque ou quoi, hein, mais ils charmaient à 3-4 heures du matin. Et donc, il y avait un jukebox, tu sais, tout en dessous. Et puis moi, j'étais au-dessus et j'entendais toutes les musiques tout le temps, super fort et tout. Et j'arrivais pas à dormir, quoi. J'étais... Donc, je sais pas, je pense que ça fait partie des trucs qui font que, voilà. Mais bon, c'est comme ça. Hein. Bon, bah écoute, moi, je sais que si j'ai pas minimum 6 heures, moi, ça va coincer. 3-4 jours, ça peut passer, mais après, ça va me tirer sur les dents. Ouais. Après, si je dors plus, c'est vrai que si tu dors plus, j'ai remarqué que moi, si je dors aussi peu, je suis plus susceptible aux sautes d'humeur. C'est-à-dire qu'il y a des moments où je vais être cool, il y a des moments où je vais me vénère sur une connerie ou quoi. Alors que si je dormais plus, je pense que je serais plus. Je laisserais couler plus, tu vois, les trucs. Donc, comme quoi, c'est. Ouais, c'est un peu chelou. Ah bah tu vois, là je suis dans la zone on peut plonger, tu vois. Ouais. Voilà. Attends, comment tu fais pour nager? Ah là tu peux nager, voilà. Du coup tu recommencerais d'eau là? Non, je me balade là. Et ce qui est bien, c'est que quand tu sors de l'eau, tes vêtements sont vraiment trempés de chez trempés, quoi. Ouais, comme quand tu roules dans le sable, t'as du sable partout sur la gueule. Ouais. Ah, attends, je peux replonger encore. Mais t'as pas une barre d'oxygène? Non, y a pas de barre d'oxygène. Par contre, là, c'est plus grand. Je sais qu'on peut ramasser des trucs dans l'eau. Attends. Ah, ça mène à une veine souterraine, zone 14. Ça mène à un camp. Ouais. Zone veine aquatique souterraine. C'est la partie de la map qui est tout en bas au niveau 3. Mais je sais pas s'il y a un secret ou pas ici. Mais bon, je continuerai demain après-midi à explorer. Bah écoute, moi je te souhaite une bonne nuit. Puis... Ouais, bah pareillement. Bah tu me préviens si tu joues demain ou quoi, on retentera si le multi marche ou quoi. Ça sera plus demain soir. Parce que demain là je suis pas là. Et bah on essaiera avec Jack et Bastos, vu qu'il y en a un qui sera sur PC, deux sur PS5 et un sur Xbox. On verra si ça passe ou pas. Ouais. Puis bah si ça passe, on verra. Voilà. Bon, allez, bonne nuit. Ça marche. Bisous. Bonne nuit, bye bye.
concentre. Ah, voilà. Oh, le jeu est tellement plus joli hein. Sans les tempêtes et tout. Le temps change. Je vais descendre maintenant. Moment.
Vas-y, je te suis. Tiens bon!
besoin d'aide? Cible en vue.
juste une place pour moi? Quoi de neuf? Tu sais où me trouver. On se calme et on se concentre. Ah. N'hésite pas si je peux t'aider.
Yelk.